Hey, salut à toutes et à tous, donc aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, comment faire un bracelet Rainbow Loom. J'avais déjà fait un bracelet passé, enfin serré Rainbow Loom, avec des petits élastiques comme ça. Donc là je vous en fais montrer un, avec des petits élastiques comme ça. Je vous en avais déjà fait montrer un, en fait c'est le principe, c'est d'en mettre 3. Un que vous tournez en 8, que vous mettez entre vos deux doigts. Un autre normal et un autre normal. Ensuite, vous prenez celui-là d'en bas et vous le mettez en haut, etc. etc. Ensuite, vous en rajoutez un. Donc, du coup, maintenant, on se retrouve pour faire une nouvelle sorte de bracelet. Rainbow Loom aussi. Que, encore avec des petits élastiques comme ça. Donc, du coup, on se retrouve tout de suite pour commencer. Donc, du coup, on se retrouve pour commencer. Donc là, moi, je me sers d'un petit crochet comme ça. Je sais pas si vous... D'un petit crochet... Mince, excusez-moi. D'un petit crochet comme ça, qui va vous servir à prendre les élastiques. Donc, pour ça, il faudra une attache. Et une dizaine d'élastiques. Ça dépend de votre taille de poignet. Donc, moi, je prends tout ça. Donc, du coup, on va commencer. Tout de suite. Donc on se retrouve tout de suite. Donc du coup, on va commencer tout de suite. Donc pour ça, vous prenez n'importe quelle couleur d'élastique, celle-là que vous voulez. Vous prenez, vous faites un 8 et vous mettez dessus, sur vos doigts. Comme ça, normalement ça vous donne ça. Ensuite, vous en prenez un autre que vous mettez par-dessus. Normalement, ça doit vous donner ça. Enfin, ouais, comme ça. Ensuite, vous prenez votre crochet. Après, vous pouvez faire avec les doigts comme ça. Enfin, vous prenez comme ça. Et vous montez. Donc là, du coup, là, je vous l'ai fait. Voilà. Du coup, non, ça vous donne ça. Prenez celui-là d'en bas. Ensuite, du coup, vous en reprenez. Mais moi, je préfère prendre le crochet, c'est beaucoup plus. Ensuite, vous en reprenez un autre élastique, que vous mettez dessus. Et ensuite, vous faites la même chose. Etc, etc. Donc du coup je vais continuer. Donc du coup là j'ai continué. Donc, du coup normalement ça doit vous donner ça si vous continuez. Normalement ça doit vous donner ça pour le début. Mais regardez, vous tirez et normalement ça doit vous tenir ça. Hop là. Et c'est pas serré, hein. C'est pas comme les autres. Donc du coup, hop là. Donc là vous faites comme ça. Hop là, vous faites pareil. N'importe quelle couleur. Donc du coup, normalement ça doit vous tenir ça. Et du coup maintenant on va finir. Donc je mets pause et je vous retrouve tout de suite pour l'attacher. Donc du coup c'est bon, donc du coup j'ai fini mon bracelet. Donc moi du coup ça m'en fait un gros comme ça. Normalement ça doit vous donner ça. Et donc du coup normalement il doit vous rester ça. Quand vous avez tout fait. Donc du coup vous prenez une attache. Qui normalement est comme ça. Vous prenez là, le bout là qui est là. Le bout comme ça là que je cache pas là. Et vous faites comme ça. Hop là. Là il est rentré dedans. Ensuite vous le sortez. Et ensuite vous faites la même chose de l'autre côté. Donc du coup normalement ça doit vous tenir ça. Hop là. De l'autre côté, vous prenez votre dernier élastique et vous le mettez, attention, voilà, vous le mettez entre vos doigts, le dernier. Et vous prenez l'autre côté de la truc, de la tâche, et vous faites comme ça. Je vous ai passé. Et voilà, votre bracelet fini. Donc, c'est pas plus beau que le dernier bracelet que je vous avais fait en vidéo. Donc,
Donc voilà, donc je me pose vite fait pour vous faire les deux bracelets, donc celui-là et l'autre serré. Donc du coup, ça c'est le bracelet qu'on a fait pendant cette vidéo-là. Bracelet pas serré. Et ça, c'est un bracelet serré qu'on a fait dans l'autre vidéo. Donc mettez-moi en commentaire celui-là que vous préférez entre les deux. En sachant que quand moi, là, j'en ai fait un. Comme si ça faisait un cœur, regardez bien. Voilà. Comme si ça faisait cœur. Et donc là, du coup, j'en ai fait un. Pas serré, en bague. Donc, que je peux mettre sur mon doigt. Voilà. Comme ça. Donc du coup, mettez-moi en commentaire lequel que vous préférez. Surtout, n'hésitez pas à liker la vidéo, partager la vidéo et surtout, abonnez-vous pour plus de vidéos. Donc voilà. Donc du coup, au revoir. Kim, 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 elle est où elle? Oh, Kim, viens là, viens là, viens là. Regarde le bracelet que je viens de faire en vidéo là. Ah ouais. Bah il est meilleur que toi, non? Je m'en fous parce que moi je m'en suffis. Hein. Regardez. Fait, on... Voilà. En fait, elle vient de me casser quoi. Bon, n'oubliez pas de vous abonner pour plus de vidéos. Tchuss les amis!